c'est pas le tableau le plus important de Manet. C'est même plutôt un petit tableau. C'est un tableau qui semble avoir été fait assez rapidement, alors qu'il est connu que les tableaux que Manet mettait beaucoup de temps à faire ses tableaux, que les modèles étaient épuisés de poser pour lui, que pour le balcon, par exemple, on sait que les modèles n'en pouvaient plus de poser. Là, c'est un peu l'opposé. On sent que ça fait partie d'une série de tableaux. On sent que ça a été fait peut-être une après-midi, qu'il y en a peut-être eu plusieurs de faits ce jour-là, parce que Berthe Morisot porte toujours le même vêtement. On a l'impression d'une sorte de jeu entre eux. Et tout ça donne une impression d'intimité, de spontanéité, de légèreté. C'est ça qui me touche, en fait. Et c'est ce qui me permet aussi de me sentir plus proche de Manet que lorsque je regarde Le Déjeuner sur l'herbe ou l'Olympia, qui sont des œuvres un peu écrasantes. Pour moi, c'est un peu l'équivalent en poésie d'un poème court. C'est pas le recueil entier, c'est pas un très long poème, c'est un poème court. J'ai tendance à penser que les poèmes courts ont la même valeur que des poèmes longs. Voilà. Et pour les tableaux, je pense un peu que c'est un peu la même chose. On a tendance à penser, enfin, moi, comme tous les gens qui ont fait un peu des études d'art, c'est de considérer la peinture que par de s'intéresser qu'aux choses qui sont des ruptures, qui sont des points importants, des marches qu'on montrait à travers dans l'histoire de l'art. Et là, évidemment, c'est un tableau où il n'y a aucune rupture, il n'y a aucun prétexte à le prendre comme un tableau très important. Et c'est ça aussi que je trouve intéressant, c'est que c'est vraiment un tableau d'intimité, de spontanéité, du simple fait d'être là et de peindre. Et c'est une chose qu'on retrouve souvent dans les petits tableaux. Et moi, j'ai une affection particulière pour les petits tableaux. Il y a des petits Bonnard, des petits Vuillard. Il y a un portrait de Valoton par Vuillard dans le musée qui me touche beaucoup aussi, parce qu'on sent que c'est simplement le fait d'être là face à son ami et de le peindre. Et il y a des Bonnard aussi petits, très simples. Alors, les gens appellent ça des tableaux teints. Je trouve que c'est un peu une manière de les tourner un peu en ridicule, de cette façon. Et moi, je crois beaucoup à la vérité des petits tableaux, comme ça. Des choses qui sont faites très spontanément, rapidement. Qui sont vraiment le fait d'être là, d'être présent à ce moment-là. C'est simplement une manifestation de vie, de réalité, et surtout de la relation à l'autre aussi. Quand on peint, on regarde son sujet, et le sujet regarde le peintre autant que le peintre le regarde. Et donc, c'est une relation. Et un portrait, c'est la peinture d'une relation. Quand un portrait n'est pas un portrait de commande, c'est la peinture qui est motivée par le désir que le peintre a pour un visage. C'est évidemment là d'autant plus vrai que c'est Berthe Morisot, qu'on sait qu'il y a une relation importante entre Manet et Berthe Morisot. Toutes les peintures, finalement, qui sont un petit peu en rupture, où Manet provoque, etc., c'est avec Victorine Morand, alors qu'avec Berthe Morisot, c'est plus du côté du désir, du désir pour le visage de cette femme, du désir pour cette femme. Et on sent qu'elle le regarde autant que lui la regarde. Et c'est ça aussi qui est touchant. Alors évidemment là, c'est paradoxal puisque son visage est caché, mais je pense que justement le fait que le visage soit caché insiste davantage sur justement cette question du désir qu'il y a dans le portrait pour un visage. Quand on regarde la main, par exemple, qui tient l'éventail, et aussi cette petite ombre sous la ligne de la mâchoire, de la joue, qui est vraiment juste un gris, quand un aplat très très simple. L'indication du coude, il n'y a vraiment que des touches essentielles. Aujourd'hui, un peintre essaierait de montrer qu'il peint, quoi. Comme un écrivain qui veut montrer qu'il écrit, ou un musicien qui veut montrer qu'il fait beaucoup de notes difficiles. Là, c'est vraiment l'inverse de ça. Ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que c'est presque aussi une pose de photographie. C'est-à-dire que ça, en fait, ça ressemble à de la photographie moderne. Moi, c'est ce qui me fascine, c'est ça, c'est cette petite grille de calorifère qu'on voit là, parce que ça, c'est vraiment un élément purement graphique, presque un élément de peinture abstraite, en fin de compte. Le fait qu'il y ait ce petit truc-là qui bloque la composition, c'est très moderne, une sorte de désinvolture, dans le fait de dire « Ah, tiens, son pied me conduit à cette espèce de calorifère, mais c'est ça qui bloque la peinture. » Et ça pourrait être une photographie moderne, en fait, ça. Sauf que c'est vraiment l'inverse d'une photographie, puisque justement, on sent que c'est un moment qu'il y a l'expression de la peinture, qu'elle joue tout à coup avec, on imagine qu'elle joue avec cet éventail, ou que c'est lui qui dit, elle fait ça, puis ça serait pas mal. Enfin, on est dans l'histoire de la séance quand on regarde ce tableau. Berthe Morisot est artiste aussi. Donc on peut penser aussi qu'il y a cet échange, cette complicité dans le fait qu'elle aussi peint, qu'en fait la manière de Manet change
à partir du moment où il rencontre Berthe Morisot, dans les années suivantes, en fait, il peint un peu d'une autre manière. Donc il y a cette influence mutuelle, il y a l'influence évidemment qu'il a dû avoir aussi lui sur sa peinture. Mais il y a aussi ça, cette possibilité de complicité entre artistes, l'interaction. Je pense toujours à mon histoire de désir, que le désir aussi, ça nous pousse à faire autre chose. Alors justement, c'est le contraire du portrait de commande, où là, je pense qu'un portrait de commande a peu de chances d'entraîner un artiste à atteindre quelque chose d'autre en lui. Enfin, mais, donc là, il y a ça qui est important aussi.